Terminal. Aujourd'hui, je vous ai accueilli avec une chanson des Beatles, hein, ce groupe que forcément vous connaissez. Ce groupe anglais qui, dans les années 60, était le groupe phare et qui encore aujourd'hui est l'un des groupes qui a le plus marqué l'histoire du rock. Et entre autres, il avait fait un morceau pendant la guerre froide qui s'appelait Back in the USSR, c'est-à-dire de retour en URSS. Hein. USSR, c'est URSS en anglais. Puisque ben, nous sommes toujours dans la partie sur la guerre froide, mais que nous sommes en train d'étudier dans un grand 2 l'affirmation du tiers-monde qui, justement, va complexifier l'ordre bipolaire dont fait partie l'URSS avec évidemment les États-Unis. Donc, on a d'abord vu la décolonisation, hein, qui ouvrait de nouveaux territoires d'affrontement, hein, notamment au sud, hein, notamment avec certaines crises comme celle de Cuba. Et aujourd'hui, on va voir que la décolonisation, ça va être l'objet du petit 2, la décolonisation favorise l'émergence de nouveaux acteurs. Vous savez qu'il y a de nombreux pays qui sont nouvellement indépendants. Et ces nouveaux pays qui viennent d'accéder à l'indépendance, eh bien, ils sont conscients qu'ils ont intérêt à unir leurs forces, hein, donc ils sont conscients de leurs intérêts communs et de la force qu'ils représentent s'ils arrivent justement à s'unir et à parler d'une seule voix, ce qui va aller pousser ces pays nouvellement indépendants à s'organiser et à développer des solidarités notamment régionales, c'est-à-dire africaines ou asiatiques. Et donc ça va être la naissance du mouvement des non-alignés, et dont l'objectif principal est de refuser ce qu'on appelle le monde bipolaire. Alors ce mouvement des non-alignés et ce refus du monde bipolaire va véritablement prendre naissance à travers deux conférences qui sont passées à la postérité, des conférences qui ont réuni un certain nombre de pays nouvellement indépendants et qui vont être les leaders de ce mouvement. Cette première conférence est la conférence qui va avoir lieu en Indonésie en 1955 à Bandung, qui va être officiellement l'acte de naissance de ce qu'on va appeler le tiers-monde. Hein. Vous savez, le tiers-monde, c'est cette dénomination qu'avait donnée le sociologue Sauvy en référence au tiers-État, hein, celui qui ne représentait rien face à la noblesse et le clergé, qui aspirait à représenter quelque chose. Alors qu'il n'avait aucun pouvoir politique, alors qu'il représentait de très loin la majeure partie de la population avant la Révolution, eh bien le tiers-monde prend conscience également de sa force démographique, et dans un monde qui est dominé par les deux grands et par aussi des puissances secondaires comme la France et l'Angleterre, eh bien le tiers-monde, lui, aspire justement aussi à compter pour quelque chose et avoir un certain rôle politique. Donc cette conférence de Bandung en 1955 en Indonésie va réunir des pays en majorité qui sont nouvellement indépendants. Hein. Au total, il va y avoir 29 États qui vont être réunis en Indonésie, dont 5 d'Afrique et 15 d'Asie. Donc 20 États africains et asiatiques sur 29. Alors vous avez des grands leaders, hein, des leaders qui ont amené leur pays à l'indépendance récemment, comme Sukarno pour l'Indonésie, qui est indépendant depuis 1949. Vous avez Nehru pour l'Inde, hein. Il n'y a pas Gandhi évidemment, parce que malheureusement il a été assassiné. Vous avez Kwame Nkrumah pour le Ghana, l'ancienne Gold Coast britannique. Vous avez Nasser, le colonel Nasser pour l'Égypte. Vous avez Zhou Enlai pour la Chine. Et vous avez également, alors qu'il n'est pas indépendant, vous avez une délégation du FLN, le Front de Libération Nationale, qui est le parti indépendantiste algérien. Alors que la guerre d'Algérie a démarré depuis 1954, c'est-à-dire un an avant. Donc cette conférence de Bandung va être l'occasion pour les pays d'Afrique donc de se réunir. Et pour la première fois, ils vont notamment condamner le colonialisme et l'impérialisme. Notamment par le discours de clôture de Nehru, hein, qui affirme clairement: nous sommes résolus à n'être d'aucune façon dominés par aucun pays, par aucun continent. Donc ça, il refuse d'être sous l'influence l'une des deux superpuissances, hein, l'URSS ou les États-Unis.
disant que ne sont pas des bénis oui-oui qui disent oui à tel ou tel pays. Ils veulent vivre sans recevoir d'ordre de personne. Ils s'élèvent contre le colonialisme, dont beaucoup d'entre eux ont souffert, et surtout pendant longtemps. Et donc, c'est une façon à la fois de refuser le colonialisme et à la fois d'affirmer son indépendance par rapport aux deux grands. Nous voulons être amis avec l'Ouest, nous voulons être amis avec l'Est et avec tout le monde. Ils affirment clairement, ces chefs d'État hein, qui sont ici présents, qu'ils ne veulent être, entre guillemets, ni les amis privilégiés des États-Unis ou de l'URSS, qu'ils veulent être amis avec tout le monde. Donc, ils ne veulent pas prendre position et donc, ils veulent choisir le non-alignement. Donc les chefs d'État, vous les retrouvez à la conférence. Hein, ici, ils sont représentés en photo. Donc celui qui est à la tribune, c'est Zhou Enlai, le Premier ministre de la République populaire de Chine. Ici, vous avez Nehru. Ici, vous avez Sukarno. Parmi les principaux leaders de cette conférence, et ici, ben, vous avez en arrière-plan les drapeaux des 29 délégations. Donc vous retrouvez ces documents aux pages 1 et 2, à la page 150 de votre manuel. Pour résumer cette conférence, hein, c'est une condamnation de l'impérialisme et de la colonisation. Cette conférence va affirmer également sa solidarité par rapport aux pays d'Afrique qui sont encore dominés et qui sont en lutte pour l'indépendance. Donc là, vous pouvez voir clairement, nous sommes en 1955 les pays d'Afrique, notamment d'Afrique du Nord, sont en lutte pour leur indépendance face à la France. Je pense à évidemment le Maroc, la Tunisie, qui l'auront en 1956, mais surtout à l'Algérie, qui est véritablement en guerre depuis 1954, sont aussi également en lutte pour l'indépendance le Kenya, avec la révolte des Mau Mau contre les Britanniques. Donc ça, c'est le premier point, condamner l'impérialisme et la colonisation. Et donc le deuxième point qu'il y a à retenir de cette conférence, c'est esquisser une alternative évidemment à la division Est-Ouest, c'est-à-dire trouver une troisième voie en quelque sorte, et notamment inciter les pays riches, quels qu'ils soient, à coopérer avec les pays pauvres et notamment les aider. Donc cette conférence, c'est l'affirmation du tiers-monde, ces pays donc, pour résumer, qui malgré leur poids démographique, sont encore peu représentés sur la scène internationale et dans le commerce mondial. Alors les participent à cette conférence hein, sont évidemment indiqués sur cette carte en jaune. Hein, vous avez les 29 pays, donc je vous disais, pour l'essentiel, ce sont des pays qui viennent d'Asie et d'Afrique. Vous voyez les conflits qui sont en cours que je viens d'évoquer. Et Bandung, vous l'avez hein, localisé ici, c'est sur l'île de Java en Indonésie. Alors la deuxième conférence qui va contribuer au mouvement des non-alignés, hein, est toujours dans cet objectif de refuser un monde bipolaire. Donc il ne faut jamais oublier le contexte général. Hein. Nous sommes toujours dans la guerre froide. La guerre froide elle durera jusqu'à la fin des années 1980. Toute la politique des États dans le monde hein, s'inscrit au sein de cette guerre froide. Donc il ne faut jamais oublier le contexte. Et donc va se tenir en 1961 à Belgrade en Yougoslavie, hein, en ex-Yougoslavie, puisque c'est un État qui n'existe plus. Belgrade aujourd'hui c'est la capitale de la Serbie, mais la Serbie était un État de la Yougoslavie, c'est-à-dire d'un pays qui a été formé au lendemain de la Première Guerre mondiale et qui unissait tous les Slaves du Sud, c'est-à-dire les Bosniaques, les Slovènes, les Croates, les Kosovars, les Serbes, les Macédoniens du Nord. Et donc cette conférence se tient en 1961 à Belgrade et on est toujours dans la recherche d'une troisième voie, une troisième voie en dehors des deux voies que sont évidemment la voie américaine et la voie soviétique. Alors cette conférence, elle se tient en Yougoslavie, pas par hasard, hein, elle se tient en Yougoslavie sous l'initiative du président yougoslave qui est originaire de la province, si on veut, de Croatie. Qui s'appelle Josip Broz dit Tito, c'est son surnom, Tito. Alors Tito, c'est un communiste, donc normalement il devrait faire partie pardon, du bloc de l'Est et donc être soumis aux ordres de Moscou, mais il a rompu avec l'URSS en 1948. Donc c'est officiellement un dissident communiste et en ayant rompu avec Moscou, ben, vous voyez qu'il n'a pas envie d'être rangé dans le camp des communistes.
Et évidemment, bon, en tant que communiste, il ne veut pas non plus être rangé dans le camp des Américains et des capitalistes. Hein, il ne faut pas pousser non plus. Hein, il a rompu avec Moscou, mais ce n'est pas pour autant pour se jeter dans les bras des Américains. Donc, il organise cette conférence, 6 ans après celle de Bandung. Et l'objectif du non-alignement va être réaffirmé, notamment dans le communiqué final de cette conférence, hein, où il est dit que les pays non alignés qui sont présents dans cette conférence considèrent que, en fait, leur position, hein, le non-alignement, représente la seule possibilité, le choix indispensable face à l'orientation vers la division du monde en blocs et l'aggravation de la politique de la guerre froide, car nous sommes en 61, dans un moment où la guerre froide est particulièrement tendue, hein, avec la construction du mur de Berlin, bientôt la crise de Cuba, donc on était dans une guerre qui était particulièrement froide et à 2 doigts de déboucher par moment sur une guerre nucléaire. Donc il réaffirme le soutien des peuples non alignés aux peuples qui luttent encore pour l'indépendance et l'égalité face à la politique on va dire d'armement des deux grandes puissances. Les pays non alignés à cette conférence estiment plutôt qu'il faut favoriser le désarmement et qu'il est essentiel d'avoir des accords qui interdisent les essais nucléaires. Et l'objectif, donc, notamment du non-alignement, hein, c'est toujours de constituer un groupe de pays qui refuse la bipolarisation. Alors, ce n'est pas dit dans le communiqué final de la conférence de Belgrade, hein, mais l'objectif aussi, c'est toujours de donner la priorité à la coopération et au développement. Donc, essayer de faire en sorte que ces pays nouvellement indépendants, ce qui n'est pas forcément le cas de la Yougoslavie, qui est indépendante depuis 1918, mais je pense à l'Inde, je pense à la Chine, je pense à l'Indonésie. La priorité, donc, c'est de coopérer, donc notamment coopérer avec les grandes puissances, afin de favoriser le développement, et notamment le développement économique, qui est l'essentiel pour ces besoins, plus pour ces pays, plus que de se positionner politiquement. Alors, des grandes figures du tiers-monde comme Nasser pour l'Égypte ou Nehru pour l'Inde s'engagent dans ce mouvement des non-alignés. Cependant, il y a des divergences entre ces grands leaders qui souhaitent soit un non-alignement strict comme Tito, qui veut, ben, je vous l'ai dit, hein, vraiment pas être avec l'URSS puisqu'il a rompu en 1948 et pas être avec les États-Unis. Et c'est également le cas de Nehru qui veut un strict non-alignement, alors qu'il y a des pays communistes qui sont nouvellement indépendants comme Cuba qui, eux, voudraient se rapprocher de l'URSS. Et vous le savez, hein, lors de la crise des fusées, on sait très bien que Cuba s'était tellement rapproché de l'URSS que Fidel Castro avait offert aux Soviétiques, contre leur protection, la possibilité d'implanter des rampes de lancement de fusées à longue portée. Donc maintenant, en petit b, nous allons voir ce qu'on appelle le panarabisme, dont l'objectif principal est de fédérer les pays arabes. Mais ça, nous allons le voir sur la prochaine vidéo que je vous invite à regarder.